Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser le défi qui est de fabriquer une cape de chasseur. Alors pour fabriquer une cape de chasseur, vous allez devoir aller chasser dans la faune sauvage, donc des animaux. Et les animaux vont vous donner soit des morceaux de viande comme ça, comme je vous montre là, voilà. Ou soit des morceaux d'os. Donc ce que vous allez faire quand vous avez assez de matériaux, vous allez aller dans vos inventaires, puis dans fabrication. Et là, vous pouvez fabriquer par exemple un fusil primitif. Ou alors, je peux fabriquer, ben là j'ai pas assez d'objets, je peux fabriquer un fusil à pompe primitif. Et là, regardez, je peux fabriquer une cape de chasseur. Donc, il me faut un jambonon, on va dire, et deux morceaux d'os. Donc là, j'ai assez. Donc, je fais carré. Et là, ça va fabriquer ma cape. Et voilà, fabriquer une cape de chasseur terminée. Alors, comment je fais pour les... Ok, je me l'équipe. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Je découvre comme vous. Est-ce que je peux... Ah, peut-être que... On dirait que ça dégage une odeur. Non, déjà, je peux pas replaner avec ça, en tous les cas. Ça dégage une odeur. Peut-être que grâce à cette cape, les loups ne m'attaquent pas. Parce qu'il y a des loups, il y a des poules, il y a des sangliers. Ou peut-être que je les attire, justement. Alors, je ne sais pas du tout quelle est la capacité de cette cape. Donc, attendez, je vais essayer de regarder un peu pour inspecter l'objet. Mais les créatures sur la mauvaise piste. Ok, ok, c'est pour brouiller les créatures sur une... Les créatures de... En fait, c'est une protection, quoi. Pour pas que les loups ils vous attaquent, ben, vous mettez une cape. Comme ça, vous n'êtes pas dérangé par les loups. Si vous voulez faire top 1 ou quoi. Donc voilà, c'est sûrement pour les tryharders. Mais bon, le problème, c'est que ça prend... Ah non, ça ne prend même pas un... Ah, ça ne prend même pas un objet dans votre inventaire. Donc c'est génial. Et en plus... Vous pouvez donner la cape à d'autres personnes. Ah, oh, mais c'est juste insane. Et si vous voulez enlever la cape, j'ai remarqué qu'il fallait jeter l'objet ici. Ah non, on peut pas l'enlever. On ne peut pas enlever la cape. Ok. Donc, dès que vous la mettez, c'est obligatoirement équipé directement. Et vous ne pouvez pas l'enlever jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao. Attends, on va tuer celui-là. Eh ben non, c'est lui qui me tue. Peace.